Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Disney Animators Collection avec Belle de La Belle et la Bête. Sur le devant de sa boîte, on retrouve le logo Disney Animators Collection, son prénom et les croquis. À l'intérieur, on a bien évidemment la poupée et sa peluche. Sur le dessus de sa boîte, on retrouve les croquis, ainsi qu'une partie à jouer pour admirer la poupée du dessus. Sur le côté, une nouvelle fois, on retrouve donc les magnifiques croquis, ainsi que la partie à jouer. Ensuite, au dos de la boîte, donc on retrouve une nouvelle fois les croquis. Ici, on a un texte qui présente la collection. En dessous, on a un texte qui parle de Mark Inn, donc qui est ici, qui est l'animateur qui a dessiné Belle, ainsi que de nombreuses princesses Disney, comme Jasmine, Tiana, etc. Et ensuite, de l'autre côté, eh bien, on retrouve les croquis et la partie à jouer. Maintenant que je vous ai présenté la boîte, je vais la délivrer pour vous faire la review. Et voici Belle hors de sa boîte. Donc on peut voir que le fond est jaune. Elle a de très longs cheveux bruns avec une petite mèche sur le front. De très grands yeux marrons. Magnifique. Sa petite bouche est ouverte, donc on peut voir ses dents. C'est trop mignon. Sa tenue se compose d'une chemise blanche en satin avec un col à dentelle, avec par-dessus une petite robe bleue en satin tablié. Donc ça donne l'impression que c'est séparé, mais tout est ensemble en fait. Donc avec un petit nœud blanc. Le bas de sa robe comporte de la dentelle. Et elle a deux petites chaussettes avec les bordures en dentelle et deux petits souliers noirs. Sa peluche représente Tilt. Enfin, je crois que c'est ça son prénom. Et voici la somptueuse Belle délivrée de son fond de boîte. Donc elle est vraiment divine. Elle est parfaite. Donc ses chaussures sont exactement les mêmes que les autres. Alors ici, on a Tilt. Enfin, je crois que c'est ça, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, mais il me semble que c'est bien son prénom. Donc elle a un petit nœud en satin blanc. Voilà, autour de la taille. Ses bras sont articulés, comme les autres. Elle a un visage très expressif. Vraiment magnifique. Son regard est merveilleux. Et puis sa bouche ouverte avec ses petites dents lui donne vraiment un côté vivant. J'adore cette poupée, elle est vraiment superbe. Comme toutes les autres, mais elles ont toutes quelque chose de particulier qui fait qu'on les aime presque toutes à même hauteur en fait. Ensuite, donc au dos, elle a une petite queue de cheval
avec un nœud bleu en satin. Ses cheveux sont très longs. Voilà, ils sont pas laqués et de très bonne qualité. Donc on voit, ils sont très très longs. Ensuite, donc sa tête est articulée, comme toutes les autres animators. Et ma review est terminée. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une petite vidéo de ma collection et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt !